On va faire le point sur la situation dans le conflit entre Israël et le Hamas avec Clémence Dibou, correspondante en Israël pour BFM TV. Bonjour. Bonjour. Bien, au cours des dernières heures, ce qui retient beaucoup l'attention, ce sont ces efforts diplomatiques pour arriver à un accord pour la libération des otages. C'est quoi les échos qu'on a sur le terrain en Israël? Bien, en fait, ici, dans la société israélienne et notamment au sein des familles des otages, on se refuse un peu à croire les rumeurs parce que la société israélienne, depuis des semaines maintenant, bruissent de temps en temps d'échanges qui seraient en cours, d'accords qui seraient sur la table avec que des enfants, pas des enfants, les femmes et les enfants. Et en fait, c'est évidemment des montagnes russes permanentes pour les familles des otages. Et donc, on se refuse ici à commenter les moindres rumeurs d'accords. On attend toujours qu'il y ait un accord qui soit annoncé. Et là-dessus, Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, a redit dans une conférence de presse hier soir qu'il n'y avait pas d'accord sur la table et que s'il y en avait un, les familles des otages seraient les premières informées. Et pour l'heure, quand on leur demande si elles ont eu vent d'un accord, elles nous disent que non, qu'elles trouvent le temps long et qu'elles aimeraient bien un accord qui soit annoncé le plus rapidement possible, mais que pour l'instant, elles n'ont rien reçu. Et justement, vous trouvez un endroit où se réunissent les familles des otages. On sait que dans les derniers jours, les familles ont marché beaucoup pour mettre de la pression sur le gouvernement. Comment les familles se sentent par rapport à tout ça? Est-ce qu'elles se sentent abandonnées par le gouvernement israélien? Oui, en fait, ici, là, ce que vous voyez derrière moi, c'est ce que la société israélienne a baptisé désormais la place des otages. Ça ne s'appelait pas comme ça, évidemment, avant. Il y a des tentes, il y a des drapeaux, il y a plein de choses. C'est leur QG, on va dire. Et cette place, elle n'a pas été choisie par hasard. De l'autre côté, juste derrière, ce sont les QG, le quartier général de Tsahal, l'armée israélienne. Et ce qu'elles veulent, ces familles d'otages, en restant ici, se faire entendre par le gouvernement, se faire entendre par l'armée, que ça doit être la priorité pour eux, c'est de récupérer les otages à Gaza avant même l'offensive terrestre dans la bande de Gaza. C'est récupérer ces otages. Voilà pourquoi elles sont là. Elles veulent, ces familles, occuper l'espace médiatique. Et c'est pour ça, effectivement, qu'elles ont organisé une marche qui est partie en début de semaine d'ici, de cette place des otages, pour rejoindre à pied Jérusalem et aller manifester symboliquement devant la résidence du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. C'était hier. Ensuite, elles sont revenues ici. Ce qu'elles voulaient depuis des jours, depuis des semaines, c'est d'être entendues, reçues par le Premier ministre israélien. Le Premier ministre israélien, face à la pression médiatique, face à la pression de la société, a fini par accepter un rendez-vous demain soir ici à Tel Aviv. Donc, il y aura rencontre demain donc entre les familles des otages et le premier ministre. On va parler maintenant de ce qui se passe à Gaza, l'hôpital Al-Shifa. Ça retient beaucoup l'attention, donc des ordres d'évacuation. L'armée israélienne dit finalement que c'est pas elle qui a donné l'ordre. Bon, il y a un peu de flou là-dedans, là. C'est très difficile pour nous de savoir ce qui se passe exactement parce que Gaza, c'est une enclave qui est complètement fermée, verrouillée depuis le 7 octobre. Les rares journalistes qui ont pu aller sur place sont toujours ce qu'on appelle embedded avec l'armée israélienne et c'est au compte-gouttes. Donc difficile de savoir ce qui se passe sur place. Certains journalistes, notamment cités par l'agence France Presse, ont expliqué qu'ils avaient entendu, qu'ils avaient vu des soldats israéliens avec des mégaphones sommer tous les civils de partir qui étaient dans l'hôpital Al-Shifa, de partir. Ça a été démenti par le porte-parole de Tzahal qui a expliqué qu'il y avait très probablement des évacuations de blessés en cours à la demande du personnel médical, mais absolument pas une sommation de quitter les lieux à Al-Shifa. Difficile de vous dire donc ce qui est en cours sur place. Ce que l'on sait de façon sûre, c'est que cet hôpital ne peut plus fonctionner depuis quelques jours et qu'il y aurait encore au moins 450 malades à l'intérieur qui ne pourraient pas être évacués parce qu'avec des maladies trop lourdes. Et donc, il y a encore avec eux du personnel médical et aussi parfois des civils qui ne savent toujours pas où aller. Et en terminant, Clémence, bon, la population, que pense la population israélienne là, de toutes les tractations politiques actuelles, de la réponse actuellement d'Israël, de ce qui est fait sur le terrain, notamment de l'offensive qui est faite sur le terrain? Est-ce qu'on commence à voir des manifestations? Est-ce que les gens critiquent un peu la gestion de l'armée et du gouvernement? Alors, en fait, il y a deux choses. Je vais vous citer un sondage de Haaretz, c'est un journal très à gauche israélien, qui a publié un sondage il y a quelques jours maintenant en expliquant que 4% seulement des Israéliens, des Juifs israéliens, faisaient confiance à Benjamin Netanyahou pour s'informer sur la guerre. À l'inverse, un autre sondage faisait état de plus de 90% d'opinions favorables pour Tsahal, pour l'armée israélienne. Donc, vous le voyez, c'est très clair. Israël fait confiance à ses soldats pour régler cette question du Hamas à Gaza, absolument pas au gouvernement politique. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus d'appels à la démission qui s'adressent à Benjamin Netanyahou. Pour l'instant, on est sur un cabinet de guerre avec une unité de
tous les partis qui sont rentrés dans ce cabinet de guerre pour faire front. Mais c'est vrai que dès demain, ou en tout cas après-demain, il y aura des règlements politiques, parce que pour beaucoup d'Israéliens, c'est aussi à cause des politiques que le 7 octobre a pu avoir lieu, parce qu'il n'y avait pas assez de forces de sécurité ce jour-là. Clémence Dibou, correspondante en Israël pour BFM TV, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.